Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui, comme vous le voyez, on se retrouve sur mon compte le plus puissant, la puissance des 24 986. Vraiment, là, vous le savez, on est sur du très très lourd. On va voir des events inédits pour le moment. Mais avant cela, les amis, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est super simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. On y retrouve tous les screens que vous voyez dans toutes les vidéos et on y parle de tout et bien plus encore, les amis. Et vous l'avez même dans le layer à votre droite, le raccourci. Les amis, si on se retrouve sur ce compte-là, sur ce compte un petit peu tout naze, ce n'est pas pour rien. C'est car il y a des events comme d'habitude qui ont pop en avance sur certains serveurs les plus anciens. Et on va aller voir ça tout de suite car ils sont extrêmement intéressants. On va commencer d'abord par cet event qui a été modifié. Regardez, déjà si je vais dans event, on voit il y a la maison d'Esmeralda. Mais la maison d'Esmeralda a changé. On n'a pas l'habitude de ce skin. On a vraiment un tirage de cartes qui est différent. Ils sont partis sur le thème de la voyance. C'est très bien. C'est parfaitement raccord avec le personnage depuis le début. Est-ce que au niveau des récompenses, ça a changé? Il me semble que les récompenses de coffre ont changé. Alors là, je fais appel à votre mémoire laser, les amis. Est-ce que certains d'entre vous se souviennent si ces récompenses étaient différentes par avant? Il me semble qu'elles étaient moins bonnes. Elles me paraissent vraiment de très grande qualité. À partir de 10, 2 coffres de matériaux de niveau épique. De 20, 3 coffres. De 40, 1 coffre légendaire et 3 coffres épiques. Alors là, vous savez, souvent je vous dis, allez à 10, c'est de la balle. Là, on est toujours dessus. Hein. 10, c'est de la balle. Si vous pouvez y aller, allez-y. Mais clairement, le rendement du coffre à 40 est tout bonnement colossal, comme les pouces bleus que vous pouvez lâcher pour cette vidéo, les amis. Vraiment, il me paraît très intéressant. Et je pense que lorsque ça va pop sur mon main, hein, sur mon compte premier, patatou, eh bien, bien évidemment, je pense aller chercher ce coffre-là. Je vous invite à le faire si vous pouvez vous le permettre pour le craft. C'est de la balle. Hein. On le voit aperçu des récompenses. On a tout ce qu'on peut obtenir, donc des packs de 3. Alors celui-là, si vous le tirez, on va voir s'il y a le taux de drop. Mais celui-là, si vous l'avez avec un tour gratuit ou même un tour à 800, c'est tout bonnement énorme. Il a un rendement de malade. Le reste aussi reste intéressant jusqu'à ici. Les accélérateurs, moi je trouve ça passe plus ça intéressant bien évidemment puisque je suis au max. Mais l'event est très rentable de mon point de vue. On regarde, on a bien le taux de drop. Regardez, quel est le taux de drop du triple coffre? 1,234%. C'est pas mal, ils sont pas, là ils ne se sont pas pris la tête. Hein. Ils ont fait 1, 2, 3, 4 sur le clavier. C'est comme le mot de passe AZERTY. Ils ne se sont pas pris la tête du tout. Mais c'est un très bon rendement. Et pour le triple coffre d'équipement épique, on voit on est à 4,115%. C'est pas mal du tout. Franchement, ce qui m'inquiète, c'est que le niveau 4 choisissait un coffre de ressources tout en bas en x5, il est à 24% et les accélérateurs sont à plus de 10%. Mais c'est quand même inquiétant parce que je ne veux pas tomber dessus. Mais sinon, les rendements me paraissent vraiment très intéressants. Hein. 1,2%, c'est pas mal du tout. Pourquoi j'ai fermé? Donc au niveau des règles, c'est tout ce qu'on a. Oui, c'est tout ce qu'on a. On va voir le tirage. Hein. J'ai un petit peu de gemmes sur ce compte. Ouais, de quoi faire deux tirages. Donc on va voir le tour gratuit, quel est le taux de drop. Je préférerais... L'animation est sympa, dis donc. Alors on a un accélérateur, bien évidemment. C'était sûr, j'allais avoir ça. Est-ce qu'il le raye une fois que je l'ai eu? Non. Une fois que je l'ai eu, il n'est pas éliminé. Est-ce que je peux choisir quelque chose en cliquant? Non, je ne peux rien choisir du tout. Je vois juste ce qu'il y a. Je ne peux rien choisir du tout. Je recommence un petit tour. Diva à 50%. On va voir si j'ai un peu plus de chance sur celui-là. Et un item de craft, c'est pas mal du tout. Est-ce qu'il sort? Non, évidemment, il ne sort toujours pas de la liste. Ça aurait été vraiment ultra intéressant s'il sortait et qu'on pouvait reset la liste au bout d'un certain temps, comme on l'a sur certains events. Là, ça aurait été vraiment le max du max en termes de rendement. Et au niveau de la roue de la chance, je vérifie qu'il n'avait pas mis les nouveaux commandants sur ce serveur plus vieux et au niveau du plus grand gouverneur non plus. Donc, on est bien sur uniquement la maison d'Esmeralda qui a changé en profondeur. C'est le même nom, mais c'est plus le même event. Enfin, avant, c'était la boule de cristal, mais là, ils ont refondu, encore une fois, à mon avis, les récompenses. Passons à présent au calendrier des events. Rien d'annoncé, vous le voyez, hein, la maison d'Esmeralda n'est pas annoncée et pourtant elle va sortir sur tous les royaumes très prochainement, environ à 15 jours de délai. Et surtout, regardez,
on a un nouveau pack qui est pop. Hein. Si on va là, alors là, vous avez tous les packs qui sont liés au fait que ce compte-là est très peu utilisé. Je l'utilise très peu. On a, il est où? La route du roi? Non, 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 on va le trouver. Il est où? Il est où? Il a disparu. Il a disparu, les amis. Mais heureusement, je vérifie. Hein. Non, je dis n'importe quoi. Je suis dans les events, je ne suis pas dans les packs. On est à sur, tac, tac, générosité des anciens. Voilà, je m'y perds un peu avec tous ces packs qu'on pop, hein, tous ces events lorsque je me connecte sur ce compte-là. Générosité des anciens, vous le voyez, il n'y a rien d'autre. Hein, je vérifie qu'il n'y en a aucun autre qui a pop encore. Non, c'est un tout nouveau pack qu'on ne connaît pas. C'est similaire au pack qu'on a de saison, ce pack-là. Regardez, ça dure pendant 16 jours, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, pendant 16 jours, du 7 juillet au 22 juillet, on va pouvoir avoir un cumul d'achats. Et il est différent de d'habitude. D'habitude, lorsqu'on a les packs de saison qui vont pop, hein, on va devoir acheter par jour 2500 gemmes pour avoir des rewards pendant 5 jours, ce qui fait un total de 75 euros pour arriver au maximum. Là, vous le voyez déjà, la barre va de 200, alors je vous montre avec le curseur, 200 à 25 000 gemmes. Donc déjà, 25 000 gemmes, si vous achetez 2000 tous les jours pendant 5 jours, donc soit 75 euros, ben forcément, hein, le calcul, il est facilement fait. Vous allez être à 10 000. Alors, c'est même 2500 pendant 5 jours. Donc, vous serez à 12 500. Vous aurez fait que la moitié du chemin. Donc, sur les 15 jours pour arriver à 25 000, excepté cumul hasardeux pour arriver à 25 000, il va falloir que vous claquiez. Et oui, effectivement, environ le double, soit 150 euros. Donc déjà, là, tout le monde ne va pas arriver à 25 000 sur 15 jours, à moins qu'on ait les events pour inciter, ça pourrait être possible. Si on a le déclenchement des events saisonniers, les events de l'été qui vont arriver sous peu. En même temps, on a le cumul d'achat à 2500 et en même temps, on a la générosité des anciens. Ça serait tout bonnement énormissime. Alors avant de se pencher davantage sur les rewards et les cadeaux, regardons les règles de cet événement. Vous pouvez obtenir une récompense, et si je clique dessus, est-ce qu'il est actif? Non, en fonction du nombre total de gemmes que vous achetez lors de l'événement. Ouais, ça c'est facile. Veuillez noter que seules les gemmes obtenues directement par le biais des recharges et des achats de lots sont prises en compte. Évidemment, si on obtient des gemmes avec un code VIP par exemple, ce n'est pas pris en compte. Les gemmes provenant d'autres sources comme les fonds de développement, les récompenses de collection quotidienne du dépôt d'approvisionnement, les gemmes bonus des lots de valeur, les gemmes bonus du magasin et les gemmes bonus du pack cadeau première recharge ne sont pas prises en compte. Donc ça veut dire que quand, si vous n'avez jamais acheté de pack et que vous achetez le pack à 12 500 en gemmes de recharge, je vais aller le voir, regardez, si je vais dans dépôt d'approvisionnement, magasin de gemmes et que j'achète l'avant-dernier à 12 000 et que j'ai 12 000 de bonus, les 12 000 de bonus ne sont pas comptés. Il n'y a que les 12 000 qui sont les 12 000 premières de l'achat qui sont comptées. Retournons sur les règles. Ah, il l'a laissé ouvert, très bien. Cet événement est ouvert uniquement aux royaumes qui effectuent ou qui ont terminé l'événement à la veille de la croisade du royaume perdu de saison 1. Ce veut dire donc que tous les royaumes qui viennent d'être créés ne peuvent pas, donc au moins de 100 jours, ne peuvent pas accéder à cet event. Si c'est votre cas, ne soyez pas déçus de ne pas l'avoir. Cet événement ne sera pas visible pour les gouverneurs ayant un hôtel inférieur au niveau 8, mais les achats effectués par ces gouverneurs compteront pour le total et les gouverneurs pourront toujours récupérer la récompense d'achat s'ils répondent aux conditions une fois que leur hôtel de ville a atteint le niveau 8. Là, c'est un petit peu flou. Est-ce qu'il faut atteindre le niveau 8 durant la durée de l'event et donc notre cumul à compter? Ou est-ce que si on l'atteint même après, une fois que l'event est fini, on récupère les rewards? Je pense qu'il faut atteindre le niveau 8 durant la durée de l'event, car ils ne vont pas nous les donner, nous les rétrocéder si l'event est fini. Pensez à récupérer vos récompenses pendant l'événement. Bah, cette phrase vient de confirmer ce que je viens de vous dire. Au niveau des récompenses, qu'est-ce qu'elles vaut? Qu'est-ce qu'elles valent plutôt? On va en bas, vous voyez, recharger 200. Pour les 200 premières, là, le rendement, il est vraiment très bon. Pour 200, là, franchement, il est très intéressant. 200 gemmes, si vous pouvez vous le permettre, lâchez 1 euro et allez chercher au moins ce niveau-là. Sculpture de commandant légendaire 1, 20 heures de recherche, hein, 20 fois 1 heure de recherche, 50 fois 5 minutes de recherche, 100 fois sans accélérateur générique et 20 coffres de niveau 2 de ressources. Franchement, le rendement est très, très bon. Si vous êtes un free player qui met quand même 1 euro, donc un pas vraiment free, mais presque free, ou un low spender, ce pack est vraiment très intéressant. Allez le chercher. Lâchez votre euro au lieu d'acheter votre baguette.
Achetez ce pack-là, il est énorme. Bon, évidemment, si vous avez faim, achetez une baguette à la place. Hein. Le jeu, c'est pas la vie. Il n'y a que les gemmes que c'est la vie. Les gemmes, c'est la vie. Donc, ce premier pack, il est très intéressant. Passons au deuxième pack, celui à 1000. Est-ce qu'il est tout aussi intéressant? Comme d'habitude, le pack intermédiaire, donc à 1000, on a en général un reward sur deux qui est un petit peu tout naze. Et celui-là, à 1000, clairement, il n'est pas intéressant de mon point de vue. Les 5 sculptures de lumière étoile éblouissante, à ce niveau-là, si vous en êtes à galérer pour aller chercher les 1000 ou à hésiter, c'est que vous n'avez pas besoin de ces 5 sculptures de lumière éblouissante. Le 15 x 3 heures de recherche, super intéressant. Les 30 heures, les accélérateurs génériques et les autres accélérateurs de recherche. Tout le reste, c'est intéressant. Ça reste rentable, bien évidemment, parce que c'est un bonus. Mais n'allez pas acheter 1000 gemmes juste pour ce pack si vous vous arrêtez à 1000. Parce que je ne le trouve pas intéressant. Je vous déconseille d'investir donc des euros juste pour avoir ce pack-là. En revanche, si vous souhaitez aller plus haut, oui, évidemment, vous allez devoir le récupérer. Passons au troisième pack. 3400 gemmes. Donc 3400 gemmes, on commence à être, si je ne dis pas de bêtises, autour d'une vingtaine d'euros dépensés. Deux sculptures de commandant légendaire, un coffre d'équipement, 20 x 3 heures de recherche, eh ben, non, générique, 20 x 3 heures de recherche, 50 fois 60 minutes de recherche et des coffres de niveau 4 de ressources. Ce pack-là est intéressant. Il n'est pas intéressant de ouf, mais il est intéressant. Il est rentable, on est sur un bon rendement. Sachant que pour arriver là, hein, on a déjà lâché 20 balles. 3400 gemmes, si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi en commentaire. Hein. Mais on est déjà à 20 balles. On va au quatrième pack offert à 8000 gemmes. Donc là, ça commence à taper lourd. 8000 gemmes, que je vous dise pas de bêtises, on doit être autour des 50 euros dépensés. Hein. Si on compte 2500 gemmes, c'est 15 euros si on optimise bien. Forcément, on est là autour des 50 euros ou 50 dollars selon la version de votre client. Là, on voit aller en termes de sculpture, c'est pareil que celui à 3400. On a des lots de sculptures lumière étoile éblouissantes qui sont le plus haut. Moi, je trouve pas ça intéressant. On a des accélérateurs. On est à peu près pareil. Hein. 30 x 3 heures pour 20 x 3 heures. 30 x 1 heure. Non, 30 x 3 heures aussi. On a 10, donc 30 heures de plus, soit un peu plus d'une journée en plus. Des accélérateurs d'entraînement. On n'en a pas là. Non, c'était encore des recherches d'accélérateurs d'entraînement. Et un niveau de coffre de ressources, 40. On en avait que 30. Ce pack-là, franchement, encore une fois, hein, je vous le dis, 1 sur 2 intéressant. Donc, le premier est intéressant. Le deuxième pas intéressant. Le troisième est intéressant. Le quatrième. Franchement, je ne le trouve pas intéressant pour 8000 gemmes. Là, c'est un petit peu abusé, les rewards. Ils auraient dû monter à 4 ou 5 sculptures de commandant légendaire. Là, on aurait eu un meilleur rendement. Passons à celui à 12000. Donc 12000, ça commence à brûler. Hein. 12000, on est autour des 100 euros. Je pense qu'on est même à 100 euros dépensés pour 12000. Si je ne dis pas de bêtises, est-ce qu'on a 12000? Non, si on a le cumul de tous ceux d'avant, si on achète tous les packs, ouais, si c'est ça. On est à la centaine d'euros dépensés. Donc si vous investissez pour les deux semaines qui viennent 100 euros dans le jeu, vous aurez 3 sculptures de commandant légendaire, 2 coffres de matériaux d'équipement, 20 x 3 heures d'accélérateur générique, 20 x 3 heures d'entraînement, 30 x 1 heure d'entraînement et 50 coffres de ressources au choix. Là, pour le coup, je vous ai dit 1 sur 2, je ne le trouve pas rentable non plus. Je ne le trouve pas très intéressant pour une dépense à hauteur de 100 euros si on ne cumule rien d'autre avec. On finit avec le dernier à 25 000. Donc 25 000, c'est forcément le double. Hein. C'est un investissement assez important. Je vous ai dit 150 euros en cumulé ou si vous voulez aller le chercher en sec, ça va être autour des 200 euros. On se retrouve avec 6 coffres de matériaux d'équipement épique. Ils ont arrêté les sculptures en or. Hein. 10 sculptures de lumière étoile éblouissante, les tomes, les accélérateurs d'entraînement, les accélérateurs de soins à chaque fois 30 de 3 heures et un coffre de ressources de niveau 5. C'est très rare. Hein. Les coffres de ressources de niveau 5, je crois que je n'en ai même pas dans mon inventaire sur mon compte principal. Hein, donc autant vous dire que c'est très rare, je ne peux pas cliquer pour voir combien c'est de ressources. D'ailleurs, en général, on est plus sur des niveaux 4, 120 de niveau 5. Alors, est-ce que c'est intéressant? Oui, 6 coffres de matériaux d'équipement légendaire, c'est quand même beaucoup. Mais en revanche, pour 200 balles d'investissement, ce n'est pas tant que ça. Même si c'est du bonus, hein, n'allez pas chercher ce coffre-là exprès, ce reward-là. Mon conseil, si vous êtes un low spender et que vous n'aviez pas l'intention d'acheter pour 25 000 gemmes, c'est se limiter à, alors on regarde, se limiter à 8000 gemmes, n'allez pas au-delà. Même franchement, vous pouvez, à mon avis, alors même pas, vous pouvez vous arrêter même à 3400, pardon, pas à 8000 gemmes. Si vous voulez optimiser au plus votre achat, arrêtez-vous à 3400 gemmes.
si vous êtes un low spender, un very low spender, il n'y a pas d'intérêt d'aller chercher le pack à 25 000 gemmes. Encore une fois, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Cette analyse, elle est vraie que si vous faites un achat spécifique pour déclencher ces bonus. En revanche, si vous avez des achats à faire ou si on a le cumul avec justement les events saisonniers où je vais acheter des packs de l'été, vous savez, les packs les plus intéressants, les packs saisonniers, les packs après écrivain de l'histoire, donc les bundles de l'été et que tu auras le cumul d'achats de 2500 gemmes pendant 5 jours, ça va tout changer bien évidemment et là le pack à 12 000 deviendra ultra intéressant et celui à 25 000 aussi. Donc vraiment, cette analyse est à prendre en fonction du contexte où il n'y a rien qui se déclenche en même temps et seul mon achat de bundle sec va déclencher les rewards de la générosité des anciens. Voilà pour ces events qui vont apparaître dans les jours qui viennent sur tous les serveurs, bien évidemment tous les serveurs comme c'est écrit dans les règles, qui auront déjà fini le KVK saison 1. Allez, on retourne sur mon compte principal, les amis. A few moments later. On se retrouve donc sur mon compte principal, on le voit bien évidemment à la puissance. Et je vous ai gardé comme prévu quelques petites ouvertures, deux notamment pour que vous puissiez comparer les amis. Déjà la première, alors je ne vais pas aller là-dedans, on va aller dans mon inventaire d'objets. Donc déjà regardez ce que je vous disais au niveau des ressources, je n'ai même pas de pack de niveau 5, je ne sais même pas d'où il sort. Pour moi, c'est un tout nouveau pack, hein, le niveau 5. Je me trompe peut-être, mettez-le moi en commentaire si vous l'aviez déjà vu. Pour moi, le pack de ressources, choisissez un coffre de niveau 5. Donc là, on a 500 000 unités. Je me demande ce qu'ils mettent dedans si je vais dans les ressources. À mon avis, dedans, on doit avoir des 1,5 million. On doit avoir des 1,5 million à mon avis à l'intérieur. C'est quand même énorme. Hein. Si c'est 120 fois 1,5 million, c'est 120 millions de ressources. Ça a même plus 180 millions de ressources, ça commence à être énorme. Ce que je voulais ouvrir avec vous, c'était les coffres d'approvisionnement du croisé. C'est ces coffres-là qu'on suspecte d'avoir été nerfés à la baisse, qu'on obtient lors de l'étape 1 de la reconstruction de la forteresse croisée de tous les KVK. Donc j'en ai que 76, on les ouvre et regardez ce qu'on obtient. J'obtiens 3000 points de PA, une seule clé en or seulement, 3000 points de PA c'est pas mal. Et plus encore une fois 3500 PA, j'ai 600 gemmes, 700 gemmes, je n'aurais eu que 700 gemmes. Vous le voyez, j'ai eu un tirage un petit peu tout naze. Est-ce que ça a été nerfé ou pas? Je ne sais pas le dire juste avec cette ouverture, je l'ai fait sur mes comptes de farm aussi. Ça a l'air un tout petit peu moins généreux quand même en termes de gemmes. Avec 70 coffres, normalement, j'aurais pu obtenir un peu plus de gemmes, 2 ou 3000 gemmes. Et là, vous le voyez, j'en ai que 700. C'est vraiment ça mon point de référence. Les clés en or aussi, j'en ai eu qu'une. Est-ce que j'ai pas eu de chance ou est-ce que le tirage a été nerfé? Je vous laisse me mettre votre avis en commentaire, les amis, et vos propres ouvertures. En parlant d'ouverture, on se dirige à présent sur la taverne légendaire. Donc j'ai la roue de la chance, hein, comme vous le savez. Moi, je vais avoir des étoiles à mon avis, des petites étoiles. Non, du maïs, les étoiles, du maïs, de la nourriture. Les étoiles, c'est déjà à présent trop bien pour moi. C'est le dernier jour, n'oubliez pas d'aller chercher. Voilà, des étoiles, les étoiles, c'est la vie, j'ai que ça. N'oubliez pas d'aller chercher les 10 tours. Je vous l'ai déjà dit, les 10 tours, c'est ultra rentable. Et n'oubliez pas de prendre le bon commandant, puisqu'il n'y en a souvent qu'un seul d'intéressant. Je vais avoir aucune sculpture, hein. Il va me faire un tirage. Voilà, une, au moins il suffit de demander, il m'en donne une. Mais une à 3600, c'est un petit peu pourri. Donne-moi 8. Non, il m'en a donné 2 à 3600. Ça fait quand même 1300, même plus que ça, je ne sais même pas compter. Ça fait 1800 la sculpture. C'est pas terrible. Heureusement que j'ai la compensation de 5 coffres, sinon ça serait vraiment tout naze. Donc la taverne légendaire, je vous le rappelle, il faut ouvrir les clés par 10. Ne les ouvrez pas à l'unité. À l'unité, c'est toujours tout naze. Donc on va voir en les ouvrant par 10 si j'ai de la chance au tirage. Vous le voyez là, j'ai 4 sculptures pour la première ouverture, dont 2 que j'ai déjà. On recommence une deuxième fois. Est-ce que je vais avoir un commandant en entier? J'en ai eu rarement, je crois que j'en ai jamais eu. J'ai à nouveau 4 sculptures, donc on est à 40% de sculptures. C'est pas mal, hein. Et j'ouvre une dernière fois. Est-ce que je vais avoir un commandant en entier? Non, vous le voyez, j'ai jamais de commandant en entier. Et là, j'en ai que 2. On est qu'à 20%, ce qui nous fait une moyenne autour des 27% de sculptures, si je dis pas de bêtises. Ouais, un petit peu plus. Hein. Je dis une bêtise d'ailleurs. On est un tout petit peu plus de 30%, 33% d'ailleurs, de sculptures. C'est pas mal, ça veut dire 3 clés sur, un peu plus de 3 clés sur 10 nous rapporte une sculpture. Et bien évidemment, avec les clés que vous ramassez, je vous conseille de, enfin avec les pièces que vous ramassez pour les commandants que vous avez déjà expertisés, je vous conseille de racheter des clés.
Voilà, écoutez, c'est tout pour les events. Hein. Vous voyez, on n'a rien d'autre qui est annoncé, même si je pense, encore une fois, que les events que je vous ai montrés, hein, normal, comme celle avec les succès des anciens, la générosité des anciens ou la nouvelle version de la maison d'Esmeralda vont pop d'ici, à mon avis, 72 heures maximum sur tous les serveurs. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.